Nous sommes de retour. Toujours du vent. C'est pas bien le vent, méchant. Nous sommes de retour. Donc, la dernière fois, nous sommes partis du lac mystère. Nous avons pris... Pourquoi c'est pas dans l'ordre? Ça m'en fout à chaque fois. Bon bref, on est parti du lac mystère, on a pris la rivière sinueuse. Qui s'est bien passé? On a trouvé des allumettes, des champignons, parce qu'il n'y a que ça dans ce monde-là. Et maintenant nous sommes à la vallée charmante. La vallée charmante aussi s'est très bien passé, donc nous sommes arrivés de là. Nous avons trouvé une grotte ici, nous avons trouvé un arrêt ici, il y avait des champignons. Et nous maintenant, nous nous sommes mis donc à la colline au Signal. Qui est un très bon endroit, hein. C'est ça surplombe en fait un peu la vallée et tout ça, c'est vraiment vraiment cool. Sauf que, bon bien sûr, nous on doit aller à l'opposé, au mont Timberwolf. Mais comme j'ai dit, nous allons passer en premier un long moment dans la vallée. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder, donc ça va faire quelques épisodes quand même dans la vallée. Surtout qu'elle est grande, surtout qu'elle est quand même grande, à chaque fois il y a quand même beaucoup de kilomètres à faire. Et on a une surprise, parce que nous sommes arrivés, donc nous avons pas trop de nourriture, enfin il nous reste plus rien, parce qu'on voyageait. Il faut qu'on fasse de l'eau aussi, il faut vraiment qu'on fasse de l'eau. Alors le problème, je crois qu'on peut pas faire de feu à l'intérieur ici, donc ça c'est un peu relou. Ouais. Et il faut faire du feu à l'extérieur. Le problème c'est que, on entend, hein, on entend le vent. Et du coup, notre but c'était de faire quoi? C'était d'aller chasser. Par contre, je vois strictement rien du tout. Je sais pas où je suis. Ouais, on va peut-être attendre encore un peu. Bon. C'était d'aller chasser. Mais il y a Winnie qui nous a fait une surprise. Winnie est venue à notre porte. Et Winnie s'est pris 3 flèches dans la tête, hein, comme d'habitude. Et Winnie en est mort. Et du coup, on peut maintenant faire cuire un ours. Et on a une peau, on a récupéré la peau. On peut tout faire. Donc, ce qu'on va faire aussi... C'est qu'on va finir de dépecer Winnie. On va aussi prendre les boyaux. Parce qu'on n'a pas vraiment de boyaux. En fait, on a eu quelques lapins, mais c'est tout. On n'a pas vraiment de boyaux. Donc, on fait ça. Et on pourra même rafistoler notre tenue en peau d'ours si on veut. Donc, voilà, ça se passe très bien. On a de la nourriture à foison, du coup. Parce qu'on vient de tuer un ours. Ça se passe très bien. On a encore plein de flèches. L'arc est en très bon état. Tout va bien. Voilà, honnêtement, tout va bien. Bon, par contre, c'est un peu emmerdant parce que je vois que dalle. Je vois que là, on a des livres mais on peut pas les lire parce que c'est des livres de catégorie qu'on a déjà augmenté au max. Alors cet endroit en fait est chiant parce que il n'y a pas de... Je crois qu'il n'y a pas trop de fenêtres et du coup il n'y a pas trop de lumière qui rentre. Regardez, il fait quand même jour là, hein. Je veux pas dire mais il fait jour donc je sais pas où on est. Là, on peut faire ça, on peut faire ça, attendez. Par contre, il faut vraiment que le temps s'améliore pour qu'on fasse de l'eau. Parce qu'on peut faire que de l'eau à l'extérieur pour le moment. Et ça, c'est un peu embêtant. Ah, ça y est, on commence à voir. Ok. Ok, donc apparemment, j'étais dans le coin. Chaussettes en laine. Ça c'est bon, on sort les gardes. Ok, c'est bon, allez, on sort. On va voir un peu le temps. Parce qu'il faut qu'on fasse à manger, il faut qu'on fasse surtout de l'eau, comme j'ai dit. Donc il va falloir qu'on se bouge un peu les miches. On a une belle tempête. À moins 39 degrés, d'accord, ok, quand même. Alors on pourrait faire du feu ici. Parce qu'il y a le vent qui souffle. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas. ~75%. Ah oui, c'est parce qu'on utilise le bois. Pas de ressort. En fait, il nous faut de l'eau, il nous faut absolument de l'eau. Donc, vu que, bon, là, si le vent ne change pas, ça va. En théorie, vu qu'il y a une... Oh, putain, chier.
95%. Parce qu'il nous faut de l'eau absolument, donc en théorie, le vent devrait pas trop bouger quand il y a des tempêtes comme ça, c'est rare quand il y a du blizzard. Il souffle toujours d'un côté, je crois bien. C'est un blizzard qui vient d'un endroit, en théorie. Et du coup, ça devrait bien se passer. Après, il peut un peu bifurquer, mais... On va mettre 2 heures de feu. Voilà. Ok. On va se remettre à l'intérieur. On va attendre genre 10-20 minutes, là, le temps qu'au moins il y ait le petit, petit qui soit fait. Donc là, on a notre pot. Notre pot, on va la mettre là. Très bien. Alors, ici. Est-ce qu'on a loupé des trucs? On voit un peu mieux. Y a beaucoup de caisses en carton. J'ai envie de les déchirer, personnellement. Parce que ça peut cacher des objets. Ah, tissu. Mais c'est un peu relou parce que ça prend du temps. C'est un peu abusé, même. Un peu débile. On a aussi trouvé des bois, on peut faire des arcs et on peut faire des flèches. On peut faire avec le boulot. Donc ça c'est bien. Là on a un micro-ondes, ça on va l'enlever. On a une chaise un peu à la con là, 2 heures pour la détruire, c'est un peu relou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il n'y a rien. C'est bon, elle s'est réchauffée, on va pouvoir aller voir l'eau. Il y a un seau en métal. Pour le métal aussi, hein, il n'y a pas trop de problèmes dans la vallée charmante. Il y a quand même pas mal de choses en métal dans certains bâtiments. Donc on peut récupérer du métal sans trop lutter. Ouais, non, il n'y a rien de... Y a rien d'intéressant. Ok, on va aller voir l'eau. Avec de la chance, le vent a pas bougé. Ça serait vrai. J'espère que le vent a pas bougé. Ouais, ça a pas bougé. Bouille dans 1 minute. Très bien. On va continuer. Très très bien. Il nous faut du bois, on n'a pas de bois, on n'a vraiment pas de bois, donc ça c'est un peu embêtant. Voilà, très bien. Très très bien. Alors j'ai envie de dire ce qu'on va faire, on va aussi poser le sac de couchage. Ça aussi, qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre qui pèse un peu lourd. Oui, on a une conserve, on va la virer parce qu'on en a d'autres. Là non. Ok. On est bien, on est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que quand il frappe meilleur, quand ce saloperie de Blizzard sera parti, on ira récupérer du bois et on fera cuire le loup, l'ours. Non. Ah, t'es protégé du vent là. Ah, vu que c'est un baril enflammé, c'est protégé, c'est ça. J'étais pas trop sûr de ça. Vous pensez que le baril est protégé du vent? C'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai jamais vraiment pris le temps, en fait, de vérifier ou de tester. En théorie, je dirais possiblement oui, mais bon, quand y a un blizzard et qu'il fait moins 40 degrés, je sais pas si vraiment le feu, il s'éteint pas, quoi. Mais bon, après, ça peut être autre chose. Après c'est vrai, peut-être. Peut-être qu'il s'éteint pas. Bah, tant mieux. Tant mieux, du coup. On a toujours notre... Par contre, ça se calme, hein, le vent se calme, donc c'est très bien. Je pense qu'on va pouvoir aller chercher du bois. Je pense qu'on va même y aller maintenant. Je crois.
C'est bête qu'on n'ait pas deux fait tout. Enfin, pour cette occasion. Ça aurait été cool. Ah oui, faut passer par là. Non, par contre, il fait un peu froid quand on n'est pas bloqué, quand on bloque pas le vent. Il fait quand même bien froid. Est-ce qu'il n'y aurait pas du bois là qui traîne? Genre, toujours protégé du vent. Là. Non, il n'y a pas de bois. Non, il faut retourner en arrière. Ah, il fait quand même froid, il fait très froid. Moins 29 encore. Bah après qu'on est protégé, enfin bon là on est à côté du feu mais... Il y a moins 6. Vous voyez, moins 6. C'est surtout le vent. L'eau potable dans 10 minutes, 8 minutes, très bien. Très très bien. Minutes, ça c'est 15. On va juste rentrer, genre pour 5 minutes. Là c'est bien parce qu'on va, on va récupérer 2 litres et quelques, donc on va pouvoir directement mettre la, la nourriture à cuire. Ce qu'on va faire, je crois qu'on va mettre 2 petits morceaux de lapin et après on va mettre 2 morceaux de d'ours. Comme ça, ça va... Ça va nous permettre de pouvoir partir. Parce que l'ours, c'est une heure pour le cuire. Donc ça va. Bon, bah c'était dangereux. C'était un peu dangereux, là, le coup. On n'a pas d'eau, on n'a pas de bouffe. Enfin, on en a, mais on peut pas la faire cuire parce qu'il y a une tempête et tout, machin. Mais là, ça va. Ça se calme. Hop. Et du coup ça, ça sert à rien. Ah mon dieu, j'aime pas ce système. Voilà, très bien. Ce qui est embêtant, c'est de passer par là à chaque fois. Là par exemple, là il y a la, ce bois là que je voudrais vraiment couper, mais c'est quoi, une heure ou deux heures? 1h10. Ah, celui-là, on va le couper. Ah, mais ouais, il y a toujours le vent, en fait. Si on arrive à se protéger du vent, à la limite, peut-être. On va le couper pendant que l'ours cuit. Ça, il faut 1 heure. Donc, ce serait parfait, en fait. Ça serait parfait. Ouais, pareil. T'aime bien te répéter hein, quand même. Ah mon dieu. Mais dans un sens que c'est... Ah mon dieu. Tais-toi. Tais-toi. Ce qui est bien, c'est qu'on a un blizzard maintenant, et après ça va être tranquille. On était tranquille en fait pour l'aller. Le blizzard, il a commencé alors qu'on avait déjà trouvé un endroit pour se... Pour se protéger et tout ça, donc le blizzard nous fait pas trop de... Nous pose pas trop de problèmes au final. Donc honnêtement, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Bon, par contre, c'est vraiment le côté chiant, c'est à chaque fois de faire le tour là pour rentrer. Bon, c'est vrai qu'on est protégé des animaux, hein, comme on a vu avec l'ours, là. Mais bon, c'est un peu relou. Tout petit peu. Okay, très bien. Alors, on va peut-être refaire encore du... Encore ça, le temps que on se réchauffe, en fait. Juste le temps de se réchauffer. Et après on mettra l'ours et après on va voir pour récupérer le bois. Des grosses bûchettes de bois. Bon là on n'a plus besoin d'en faire pour le moment, il faut vraiment faire à manger en fait. Comme ça on est tranquille. Sinon qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? 15... Ah oui c'est vrai qu'on peut attendre, donc on va faire ça 15 minutes.
en faire un deuxième. Ah, le vent s'est peut-être calmé. C'est peut-être le moment d'y aller. On va prendre deux steaks. Deux steaks d'ours. Deux heures, très bien. Ok, on va poser ça là. Ok, il fait pas froid, c'est bon. Donc, on a 50 minutes à peu près. Enfin, 50 minutes rien que pour la cuisson. Puis après, le temps que le truc brûle, on a encore du temps. Là, genre une heure et demie, je pense, en tout. Donc, on va prendre ça. On va se mettre genre derrière le... On va se mettre là. Moins 13, ça fait quand même... Ça va faire mal. Ok. Moins 10. Ça va faire un peu mal, ça fait un peu mal, c'est pas grave, ça picote, hein. Le froid ça picote. Ça picote un peu, mais bon, on est un peu obligé. Ok. On est un peu obligé. Regardez-moi ça, ça valait le coup. Honnêtement, ça vaut le coup. Alors là, oui. Le fait d'avoir 5 morceaux de bois direct comme ça, là. Complètement. Complètement. Très bien. Ça, on mange. Alors par contre, est-ce qu'on peut réchauffer ça? À côté. Yes, ça marche. On va les laisser là pour l'instant. On a encore ça à faire cuire. On a les lapins là. Alors ce qu'on va faire, on a combien de steaks? Un seul. Oups. Est-ce qu'on peut passer du temps ici? 28 minutes. On a pris quoi? La peau? C'est ça? Ok, on va poser la peau. Parce qu'en fait, je vais aller récupérer plus de viande. Je vais aller récupérer plus de viande. Donc, peau. La peau, on va la prendre à la main, je crois, pour éviter d'utiliser le couteau. Je suis pas trop sûr. Quoique, non, on va utiliser le couteau pour aller vite. Parce que j'ai pas envie de perdre le feu. Bon bah ça va, elle est réchauffée, du coup on n'a pas besoin de prendre les tisanes. Parce que je voulais prendre les tisanes pour nous, pour qu'on se réchauffe. Pour qu'on se réchauffe plus vite, vous voyez, parce que ça nous donne une dose de chaleur. Donc, du coup on n'a pas besoin. Attends, il est allé où l'ours? Je me rappelle plus. Il est là. Ok, il est là. Encore du vent? Non, ça va, ça se passe bien. Oh, c'est un peu le bordel. Très bien, très bien. Ok, bien, on a encore 3 morceaux de bois, on a 3 heures encore de feu. Ce qu'on va faire, c'est ça, comme ça on se réchauffe. Et on va récupérer encore des steaks. Ah, très bien. Bon, il fait chier ce temps là-haut. Moins 18. laissez-moi m'amuser là. Là on est tranquille quoi. Va-t'en. C'est vrai qu'après l'ours il est vraiment très mais alors très très mal positionné. Hein. Je veux pas dire. Mais... Là, on peut pas faire mieux pour ni côté vent. Hein. Oh la vache.
Ok, ça va, ça passe. Il faut qu'on prenne des boyaux. Qu'on prenne des boyaux. Des boyaux, c'est pas extrêmement urgent, mais c'est bien d'en avoir. Ok, le vent, ça va, il fait de plus en plus chaud, hein. Il fait de plus en plus chaud, hein, donc ça va. Encore 3 minutes. On va remettre un truc. Très bien, encore 3 minutes, c'est fini maintenant. Ouais. Hop. Hop. Encore 3 heures de feu, très bien. On va rentrer. Quoi que... Attendez. On a encore 50 minutes à peu près. On va dépecer tous les animaux là, tous les lapins qu'on a. On fait un peu tout en même temps, ça va. C'est un peu... Faut juste garder en tête ce qu'on va faire, ok? Ça va. C'est pas compliqué, mais c'est un peu relou. Je suis complètement d'accord avec ça. 50 minutes, ok. Ce sera le temps de la cuisson des viandes. C'est très bien comme ça. Ok. Donc hop. Hop, très bien. Réchauffement fini, il n'y a pas de problème. On va changer encore les viandes. On va regarder le feu. On va mettre encore une bûche. Ah, ça, il ne fait pas froid. Ok, très bien. Très très bien. Une heure. On va remettre encore une bûche. Ok, cool. Cool, cool, cool. Alors le problème, c'est qu'on peut pas trop durer 2 heures en fait devant l'ours. Maintenant, on pourrait, donc à la limite, on va voir si ça vaut pas le coup de tout couper en fait d'un coup. Mais bon, c'est 2 heures et on peut pas cuire du coup. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu le problème. On peut pas cuire. Enfin, ça va pas durer pendant 2 heures. Après, ce qu'on peut faire, c'est ça. Faire à la main maintenant, vu qu'il fait pas trop froid. Donc du coup, on n'utilise pas les. Ah mon dieu, t'es sérieux? Il y a un autre blizzard. Ah ouais, le temps veut vraiment nous avoir. Hein. Je veux pas dire, mais le temps, il s'acharne. Hein. Le temps s'acharne sur nous. Mais bon, il n'y a pas de problème. On a l'habitude. Un truc qu'on va faire, c'est de l'eau. h 30, très bien. Ouais, ça c'est très bien. On va faire... Hop. Je reste en extérieur pour éviter le mal de l'enfermement. Okay, 25 minutes, on a encore 2 bûches. On a encore 4. Ça, on va le mettre à l'intérieur. On a quoi? 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10, 4, on a 14, 15 à peu près de viande à plus de 1000 et quelques calories. Donc honnêtement, on est tranquillou. Tranquillou. Voilà. Donc déjà, on va pouvoir, si jamais on a des problèmes niveau vêtements, on pourra déjà refaire les moufles et le chapka. Donc ça c'est tranquille, faut que ça sèche hein, évidemment, mais on pourrait faire ça. On a aussi l'ours qui va être fait à un moment ou à un autre. Voilà, ça c'est très bien. Nous avons... C'est quoi? Il faut combien de boyaux? Il faut 2 boyaux. On a combien de boyaux? Je crois qu'on a 4. Il faudrait quand même... On a mangé tout le lapin. Donc je regarde si on a mangé tout le lapin. Il faudrait quand même récupérer, je dirais, tous les boyaux de l'ours. 10 minutes, on a encore ça qui est fait, qui est presque fait.
Très bien. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, est-ce que on tente d'aller récupérer encore un steak à la main? Fais voir un peu. Fais voir un peu le vent. Oh mon dieu, comment ça descend vite. Moins 36. Est-ce qu'on est protégé du vent? Non, le vent il est pile devant, donc ça m'étonnerait. Mais sur un malentendu, hein? Sur un malentendu. Ouais, non. Non. Parce qu'on a perdu quand même de la vie, déjà. J'ai pas trop envie de... J'ai pas trop envie d'en perdre encore plus. Parce que sinon, ça va nous pousser à dormir longtemps. J'ai pas envie. Pour se noir, ça, 5 minutes, 8 minutes, eau potable. On a encore 2. On a 2 à peu près. On a 1h30 et on a encore 2 cèdres. Cèdre, hein, très bon le cèdre. Très très bon, il va bientôt faire nuit, on n'est pas trop fatigué. On peut encore durer un moment, ça va, c'est cool. On a le thé. Non, ça va, c'est bien. On a à peu près quoi? On a un peu plus de 2 litres, donc ça là ça va faire 4 litres, on est bon. Donc on va finir la viande et après on fera que de l'eau et on finira ça aussi. Comme ça on sera tranquille, on n'a pas besoin de faire de feu pendant un moment. Très bien. Alors du coup c'est un peu décalé, c'est un peu un problème, mais on va se débrouiller avec, c'est pas grave. Les champignons, on les crée. J'ai envie de dire, le temps nous en veut, hein. Le temps essaye, le mère nature essaye de nous la mettre profonde. Mais nous, nous résistons, hein, car nous sommes un aventurier, enfin une aventurière je dirais, qui est expérimentée et qui a l'habitude de s'en prendre profond. Voilà. Donc du coup, nous sommes imperméables. Il fait quand même un temps de merde, hein, je veux pas dire. Mais... Moi qui voulais explorer, dans le baba. Voilà. 11 minutes. On a le café aussi. Ce serait bien de le faire. On a 5 doses. Quoique, honnêtement, on n'a pas vraiment besoin, je dirais, à la limite. On a déjà du café. Assez surpris de trouver du café aussitôt, là, d'arriver dans la zone, on a trouvé du café. On est toujours en positif au niveau des allumettes. Hein. On est parti avec 24. On a toujours ça de bonus. Ouais, honnêtement, c'est tranquille. Ah, le cèdre, hein, c'est bien. Vraiment bien, le cèdre. Ça aide bien. 19 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour 19 minutes? Alors, par contre, on va encore se taper le trou noir, parce qu'on voit strictement rien à l'intérieur, parce qu'en plus, là, il fait nuit. Dans 2 minutes, on voit plus rien du tout. Donc, on va devoir naviguer encore à... à l'aveugle, c'est relou. C'est vraiment le seul problème de cet endroit, c'est qu'il commence à faire jour à l'intérieur quand il fait déjà genre soleil depuis 2-3 heures à l'extérieur. Et la nuit c'est noir, juste noir. Je sais même pas si vraiment avec une aurore boréale on verrait quelque chose. Donc ça c'est un peu un problème. Est-ce qu'on peut-être rafistoler des vêtements le temps de passer genre 15 minutes, un truc comme ça? C'est 30 minutes, putain c'est long. 25 minutes. Ouais, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça, on va se mettre accroupi.
comme ça on finit ça. Et le truc, c'est pas vraiment pour le réparer, c'est vraiment pour augmenter de niveau aussi. Parce qu'on est quand même encore un peu... On n'est pas très bas, mais c'est juste que c'est super long. R, accommodage bientôt 4. Mais voilà, c'est méga long à augmenter, donc faut un peu... Faut vraiment forcer... Faut forcer le raccommodage, c'est un peu ça le problème. Si vous n'avez pas de chance que vous ne tombez pas sur les livres, il faut vraiment le forcer. On a encore 2 heures, donc là ça va faire encore 2 heures en plus avec ce bois. On peut faire encore plein d'eau, on peut faire encore plein d'eau. Bon après elle est un peu fatiguée aussi, il va falloir quand même dormir à un moment ou à un autre. Faut que j'arrête de boire, ça fait baisser le... faut que j'arrête de manger, pardon. Manger pour rien. On a combien de... On en a 3 là. 4, 5. On a encore plein de Raichi, on en a 5 en plus. Là on a un des baies là, on en a une en plus. Donc on va continuer à faire les Raichi. On va continuer à faire ça. À utiliser ça en fait quand on les boit et tout ça, quand on les mange. Enfin quand on les boit plutôt. Oui. 10 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait coudre ? Après, faut faire gaffe, hein, faut garder le tissu parce que. Si, peut-être dans la ville. Non, dans la ville, il y aura du tissu. Ça va, il n'y a pas de problème. On peut l'utiliser le tissu, il n'y a aucun problème. Dans la ville, il y en aura plein. Il y aura les rideaux et tout ça, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Ok, on a 3 fois 25 minutes. C'est pas mal. 3 fois 25 minutes avec les kits de couture. Donc on va finir le kit de couture celui-là, puis après on va le jeter. Après on a d'autres kits de couture, mais je voudrais les garder de côté. Bon, mais c'est déjà pas mal là. C'est déjà pas mal. Le kit de couture fonctionne toujours. Il y a un truc pas mal qu'ils ont fait, honnêtement, c'est sympa. Genre le kit de couture, il était seulement à 1%. Ah ouais, non, mais on risque rien en fait ici, c'est énorme. Je sais pas si c'est un bug ou pas. Vous croyez que c'est un bug ? Non. Je vois pas pourquoi on prend pas le vent en fait. Très bizarre. Enfin bref. Genre si le kit de couture il reste à 1%, normalement il en utilise genre 6 ou 7 à 2%. Et bah du coup vous risquez rien. Il va pas casser entre temps en fait. Vous allez pouvoir finir votre couture. Ça c'est plutôt cool. On va commencer un peu à mettre de l'eau par terre. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Est-ce qu'on prend un autre kit de couture pour faire ça? Ah quoi que non, on n'a pas besoin vraiment. On peut utiliser le... Bon, après ce qui est chiant c'est qu'à chaque fois il faut faire du métal. Ouais, mais ça, c'est à l'infini, donc bon. Non, non, non. Oubliez ce que je... Tiens, on est déjà à 76%, quoi, c'est relou.
C'est vraiment relou quand même. Merde, c'est 40 minutes. Bon, échec, très bien. Ah merde, bon c'est pas grave. Ouais, on va arrêter de faire la couture. Je voulais vraiment monter de niveau en fait. Ça m'embête. Là, regardez-moi ça. Je pense qu'un truc de couture et c'est fait quoi. Bon, c'est pas grave. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Triste hein, quand même. On a des temps comme ça. On a encore 2 heures de feu. Qu'est-ce qu'on fait? On reste à côté du feu et on continue à faire de l'eau. C'est un peu relou honnêtement. J'ai envie de dire, il faut qu'on dorme aussi. Et il fait bientôt, c'est bientôt minuit. Ouais. On fait quoi? On enlève le bois. On va enlever le bois et on va aller dormir. Voilà, ça s'éteint directement. Minutes. Ah, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. On va casser les torches parce qu'on n'en a pas besoin en fait d'avoir des torches aussi grandes. Enfin, autant de torches. Putain. Oh merde. Je sais pas où on est. Four de lapin fraîche. Yes, oh la vache. Alors honnêtement, j'allais pas allumer une torche, j'allais augmenter les gammas du jeu. J'allais un peu tricher cette fois. Si jamais on trouvait pas, parce que j'ai pas vraiment envie d'allumer une torche juste pour ça quoi. En théorie, vous devriez, mais ce sera un peu con quand même. Voilà, on fait ça, du coup ça on récupère les bâtons, ce qui est cool. Parce qu'on n'a pas besoin des torches honnêtement. On n'a vraiment pas besoin des torches. Mais là, on récupère les bâtons. Ça nous permettra de faire encore un peu de feu. Si jamais on a besoin. Donc c'est très bien. Donc on a de l'eau. Une bonne réserve d'eau. On a une bonne réserve. On a une très grosse réserve de bouffe. Et ben ça se passe très bien. On a la peau de l'ours qui sèche. On a les lapins. On a des boyaux. On a encore de la viande et des boyaux à récupérer sur l'ours. Je sais pas si on va faire ça le demain. Mais on a encore... ouais. Il y a le café à faire. Mais ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc on va dormir 10 heures. Très bien. Donc j'espère qu'il va faire un peu un meilleur temps et qu'on puisse un peu se balader. D'accord, donc merci, merci le temps. Apparemment, il fait toujours aussi pourri. J'ai envie de mettre... Ah, le café, est en train de pourrir. Il faut vraiment le faire, le café, en fait.
Non mais t'es sérieux là pour le temps? Parce que là honnêtement c'est pas dangereux mais c'est chiant. Eau non potable, merde. On va prendre ça. Eau non potable, on va reprendre ça aussi. Ouais, donc alors on va pas faire. Je crois que le baril il était chaud encore. Attendez, on va se réchauffer. Qu'est-ce qu'on va faire, hein? Il faut que je boive un coup et que je réfléchisse. On pourrait descendre. On pourrait descendre, ça c'est la route. On pourrait descendre sur la route et aller voir la petite ferme qui est là. Et après, bah alors, par contre, on pourrait descendre de ce côté-là ou on pourrait descendre de ce côté-là. De ce côté-là, je crois que là il y a un cul-de-sac. Parce que la route en fait continue. La route a fait comme ça. Là, c'est un cul-de-sac. Je crois qu'il y a une voiture et il y a peut-être un cadavre et tout ça à fouiller. Donc je dirais à la limite, en premier, on va là. Puis après, on revient. Et puis après, on va là-bas. Ou alors, on continue sur la route, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, on va peut-être pas trop bouger de notre emplacement. Parce qu'on a un peu tout à disposition. On a de l'eau, on a de la bouffe et tout ça. Je dis ça comme ça. Après, on va voir un peu comment ça se passe. Sur le temps, en fait, a pas l'air d'être super fun avec nous. Allez, on va se balader. Le temps a l'air d'être un peu grognon. Donc ça m'embête un peu, en fait. Ça m'embête un tout petit peu. Ah, j'ai pas pris les charbons. Oh, c'est pas grave. Ah, vous voyez, là, on se tape du moins 23. C'est chiant, ça. On peut pas prendre de bois, on peut pas trop... On peut pas faire grand-chose. Donc je voudrais aller un peu visiter vite fait, puis après on revient. Genre des petites aventures, toutes petites. Toutes petites. Des petites escapades. On va passer par là. Genre rapide, comme ça on perd pas trop de vie. Par contre, aussi le fait qu'on ait un ours, qu'on ait eu un ours très proche de nous. Je pense pas que c'est l'ours qu'on ait vu là sur le lac. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit lui. Hein. Donc du coup, ça voudrait dire qu'il y a une grotte pas loin. Donc quand il y a un ours, il y a une grotte. Quand il y a une grotte, il y a un ours. Quoique non, non, ça c'est faux. Quand il y a un ours, il y a une grotte, oui. Quand il y a une grotte, ça veut pas dire qu'il y a tout le temps un ours. Mais ça pourrait être pas mal de trouver la grotte aussi. Faudra voir. Faut voir au pied. Vous voyez où on est? La colline là? Bah au pied de la colline, il y a peut-être une grotte. Pas loin. Ouh, je vois du bon là. Je vois du bon. Ah, il fait moins froid. Un petit peu moins froid. Je vois du très bon. C'est quoi ce qu'il y a sur la glace là? Genre en face de moi là. C'est quoi ça? C'est un cadavre? Il y a un lapin. Pas besoin du lapin pour le moment. Ouais, c'est un cadavre. C'est quoi? C'est une carcasse. On a du bois, on va le ramener le bois quand on reviendra. On va un peu se bouger les fesses parce qu'on a froid. Ok, très bien. Ouais, c'est une carcasse. De cerf. Est-ce qu'on va avoir chaud dans la voiture? Ça m'étonnerait qu'on ait chaud dans la voiture. Là, il y a la voiture. Et après, en face... c'est cul-de-sac parce qu'il y a eu un effondrement en fait. Mais bon, on peut trouver des objets. Comme j'ai dit, les voitures et tout ça, c'est intéressant. Pour ça que je veux faire d'abord ça. Vu que c'est cul-de-sac. Ah, avance. Vu que c'est cul-de-sac, puis après on revient.
Comme ça, on n'a pas besoin de revenir un jour. Pas de chance. Là-bas, cadavre. Pas de chance. On peut se bouger les fesses. Bon, ce qui est un peu surprenant, c'est qu'il n'y a pas de loup apparemment. Notre tour, elle, on la voit. Au pied de notre colline. Parce qu'il y a des lapins et tout ça. Donc il n'y aura pas de loup apparemment. Ah, quoi qu'après. Oui, c'est peut-être normal en fait. C'est parce que. Il y avait l'ours. Eh oui. L'ours fait peur aux loups. Donc les loups sont pas venus. Parce qu'il y avait l'ours. Bon, maintenant, on a tué l'ours. Donc. Donc on risque d'avoir des problèmes avec les loups. C'est tout un écosystème, hein. This will come in handy. 100%, très bien, on la prend. Même si on l'utilisera pas. Est-ce qu'il y a quelque chose en haut? Normalement, il faudrait passer par le bois. Mais... Voilà. Allez, on rentre. Bon, on a trouvé une torche 100%. C'est bien, ça nous économise... Les torches 100%, ça se trouve pas comme ça. Hein. Donc ça économise le tissu, le bois... Enfin, le bois, on s'en fout. Le tissu, c'est bien. Et surtout le fuel. Par contre, ouais, il va falloir qu'on bouge. C'est pas très alarmant, mais je voudrais bien un peu explorer un peu plus, en fait. C'est relou. On a des massettes, hein, bien sûr. Je voudrais voir s'il n'y a pas une grotte, en fait. Par chez nous. C'est ça que je veux voir, mais je suis pas sûr. Ah non, on va pas commencer à se balader quand on a froid. On va pas faire ça. Y a pas quelque chose en haut? Je sais pas exactement où elle tombe, la corde. Enfin, vous savez le rocher où il y a la corde qu'on n'a pas? Alors non, c'est pas là. On va se casser quelque chose. Putain, ça m'a fait peur, saloperie. On va rentrer de l'autre côté. Ah, je déteste quand ça fait ça. Mon dieu, ça me fait tout le temps sursauter, quoi. Tout le temps, à chaque fois je sursaute. C'est une horreur. J'ai pas vraiment envie de me soigner en fait. On va juste laisser le temps de faire la chose. On perd beaucoup de vie quand même. Bon, c'est pas grave. Comme j'ai dit, ça reste notre camp ici. Donc, on bouge pas. On bouge pas encore pendant longtemps. Et puis, on peut se permettre. On a de l'eau et on a de la bouffe. Donc, il n'y a pas de problème. Bon, c'est un peu emmerdant, mais... Donc là, les deux chevilles, hein. C'est pas mal. Oh la vache. C'est quoi, c'est 4 heures? Faut dormir 4 heures pour que ça se soigne automatiquement? Ou 2 heures?
On est déjà midi, c'est bon, on va pas faire grand chose. C'est vrai que c'est un peu un endroit à la con hein, pour monter, hein. J'avoue. Hein. C'est sa bonte indirecte. Hein. C'est pour ça que je voulais la corde, moi, mais bon, on n'a pas eu de chance. On entend des loups, mais on les voit pas. Ils doivent quand même... Je pense qu'ils doivent commencer à se rapprocher. La meute, genre elle doit bouger. Il n'y a rien là. Ouais, il va falloir qu'on... J'ai déjà regardé là. Non. Y'a rien. On perd pas énormément de vie en fait, vu le temps qu'on reste dehors, mais l'hypothermie, ça va être un problème. J'ai pas envie d'avoir des gelures et tout ça. Ça serait vraiment con d'avoir des chaussures. T'es passé par là? L'autre elle a les deux chevilles pétées et moi je passe par des chemins à la con. Oh là 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 là. Faire tout le tour pour rentrer. Allez, allez. On peut faire un feu, hein, il fait jour, hein. Fait soleil. On peut faire un feu, si on veut. Arrête de parler. Mon dieu. Mon dieu, cette femme. Alors, je vais faire ça parce qu'on n'a pas besoin d'avoir 3 milliards de torches aussi. On va en poser deux. On va en poser deux. Ça, on le garde là, c'est très bien. Ça me stresse ce sac de couchage là qui descend. Comme ça aussi vite. J'ai vraiment envie de faire de la couture, juste le fait pour monter de niveau. Ça me perturbe ça. Pour qu'on passe niveau 4. Non, même pas. 3, c'est ça? Non, 4, c'est ça. J'ai... Ouais, j'ai envie de faire la couture. Sinon... Alors, attends, est-ce qu'on peut mettre... Genre des trucs comme ça. Bon, on commence déjà à avoir plein de morceaux de bois partout. Bon, par contre, cette chaise, elle me rend fou, quoi. Peut-être en plein milieu, là. On n'arrive pas à avancer, c'est horrible. Regarde-moi ça. Va-t'en la chaise. Ok. Maintenant, on a ça à rajouter. Oh mon dieu. Ouh là 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 là, ça fait... ça en fait du bois quand même. Hein. Ça en fait beaucoup, beaucoup. Genre, on voulait des... Comment ça s'appelle? Des fûts de flèches. Encore heureux qu'on n'a pas pris, hein. Parce qu'avec tout ça, c'est bon quoi. Regarde-moi ça. On a du bois partout, mais c'est énorme. C'est juste énorme. Ah, c'est 4 heures. Il faut dormir 4 heures en fait. Ça, c'est qu'il faut dormir 4 heures. Donc je sais pas trop si on va la laisser comme ça. On va peut-être utiliser un pansement. Alors on va faire ça, ça. Oui, du coup c'est de l'eau non potable. Si on répare, on répare avec quoi? On va réparer avec le fil de pêche. Comme ça après on va dormir.
Alors, réparons. Réparons, réparons. Vous pouvez réparer quoi? Ça? Ou ça? 1 heure. 1 heure, c'est pas mal. Ok, 1 heure, c'est pas mal. Comme ça, ça la fatigue un peu, ça fait passer le temps. Très bien. Yes! Expert, raccommodage. Très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Alors, fais voir un peu ce qu'on a gagné. 85% de chance de réussite de raccommodage, temps de raccommodage moins 25% et amélioration de l'état de l'objet plus 15% et usure nécessaire à couture moins 25%. C'est très très bien. C'est bien. Là, on est très bon. Il y a vraiment la pêche sur la glace qu'on a un problème, mais honnêtement, c'est pas vraiment intéressant. C'est pas très très intéressant. Très bien, très très bien. Donc elle est fatiguée maintenant, donc je pense qu'on peut dormir 4 heures, je suis pas trop sûr. Je pense que le temps s'est nettement amélioré aussi. Je vais voir un peu le temps. Le temps s'est nettement amélioré. Moins 8. Alors ce qu'on va faire, je crois qu'on va dormir 4 heures. Et après on continuera notre petite aventure. Par contre, elle n'est pas tellement fatiguée, donc on va peut-être continuer l'aventure dans la nuit. Je crois. On n'a plus que 5 tissus. Je crois qu'on va faire ça, on va continuer notre aventure dans la nuit. S'il fait bon. Parce que c'est vrai qu'on a eu un peu des problèmes avec le temps, en fait. C'est ça qui nous a un peu fait chier. Ah oui, je voulais qu'on prenne les... Je sais pas si elle va pouvoir dormir 4 heures. Elle est pas vraiment fatiguée, en fait. C'est un problème. Si on reste dans le lit, est-ce que ça compte? Comme quand on se repose. Ça, je sais pas, ça. On va prendre charbon. Très bien. 15, ouh, très très bien. Je vais voir, je vais faire un test. On va d'abord se reposer 1 heure. Enfin, pas dormir, mais se reposer dans le lit. Voir, est-ce que ça compte pour le rétablissement de la jambe? En théorie, je dirais oui. Parce que la douleur est bientôt partie. Là, c'est 4 heures, 4 heures. Donc, fais voir si on fait ça. Moi, je dis oui, hein, normalement. Non, ça marche pas. Ah, tu fais chier le jeu. Faut vraiment dormir. Ça, c'est bête. Honnêtement, je... Ça, je trouve ça bête. Le fait de que se reposer genre dans un lit, ça marche pas. Honnêtement, pour moi, ça devrait marcher. Mais bon, presque comme ils veulent. Mais bon, ok, on est bien. On est bien. Bon, on va dormir 4 heures. Je pense qu'elle va se réveiller. Donc, on va mettre fin à cet épisode. Bon, cet épisode était pas... C'était un peu le genre la survie contre... la nature, cela c'était blizzard sur blizzard en fait. Donc ce qu'on va faire, comme j'ai dit, après on, y a, bon, on est un peu descendu, on a trouvé la voiture et tout ça, c'était cool, bon, on a trouvé juste une torche. Mais après on ira donc sur le côté droit, on ira à la petite petite cabane là qu'on a eue. Alors est-ce que on va pousser vers la grange? Je sais pas. Mais c'est vrai que si on descend, on pourrait directement aller à la grange au centre. On récupère tout ce qu'il y a dans la grange au centre. Après, on revient ici et on se replace à la colline. Ouais, ça m'embête en fait à chaque fois de revenir à la colline. Parce que la colline, elle est quand même mal placée. Hein. Parce qu'à chaque fois, il faut remonter. Hein. Et on n'a pas la corde, donc c'est un peu relou. Donc j'avoue que... Qu'est-ce qu'on... On prend beaucoup de viande et on se casse? Beaucoup d'eau et de viande et on se casse? À la limite? J'ai envie de dire, de toute façon, quand on repartira au lac mystère, si jamais on survit cette aventure, on va devoir repasser par là, donc la viande et l'eau, c'est pas perdu, j'ai envie de dire. Et ouais, on pourrait faire ça, on pourrait aller se mettre au centre, et après passer à l'autre grange, qui est sur le côté là, et après continuer sur la route avec la ville. Ça pourrait être pas mal. Bon, après, au milieu, là, j'ai envie de faire la petite cabane avec la pêche, là. Juste pour le kiff, mais... ouais, non, ça peut être un plan, ouais. Ah, peut-être qu'on va déménager, alors. Peut-être qu'on va déménager. On va prendre pas mal de viande et tout ça, et on déménagera. Ça va faire un peu chier, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque emplacement, vu que c'est loin,
il va falloir récupérer du bois, refaire du feu, refaire de l'eau, parce qu'on peut pas trop emporter non plus, et refaire à manger à chaque fois. Il va falloir ou du loup, ou des conneries comme ça. Mais bon, on verra. On verra, on verra, on verra. En tout cas, voilà, ça avance bien. Et on prendra tout notre bordel, du coup. Ah ouais, du coup, ça va être lourd. Hein. Ça va faire ça, 3, 4, 4, 5... 6, 7, 7, 8, 9. Ah, on va repasser à... Ah ouais, putain, en plus, il y a la viande en plus. Il y a la viande en plus. On va être à 43, 40... Entre 43 et 45 kilos, je dirais. Ouais, ça va prendre un peu de temps. En tout cas, on verra ça. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine.